Bon. C'est moi qui anime ou c'est toi, Thierry? Ben, c'est toi, là. Faisait longtemps qu'on s'était pas ostiné sur l'animation. Mais c'est pas rendu quasiment tout le temps toi qui le fais, non? Ben oui, mais je veux pas que ça ait de l'air automatique puis d'office, là. Bon, mais c'était Si quelqu'un censé, veut ouais. animer. C'était censé être dans le concept qu'on s'ostine à chaque épisode, mais on ne l'a pas vraiment gardé. Ben, ça est arrivé des fois que c'est un peu moi qui prenais le contrôle, mais. Non, non, j'ai fait une couple de podcasts que j'écoute avec un peu plus sur l'humour tout ça. Puis généralement, celui qui anime, c'est le plat de la gang. Bon, on brise ça, nous autres, je pense. On n'est pas un podcast d'humour de toute manière. On C'est a. vrai, c'est Ben. un podcast d'idées, je pense, Thierry. C'est comme Ben ça que vous l'aviez décrit au départ. on voulait parler de démocratie, de théâtre, de culture, De de fi... nordicité, n'oubliez-le pas non plus. Nordicité, c'est arrivé un peu par après, mais tu sais, au début, c'était vraiment plus philosophie, les C'est grandes quoi idées. nordicité? C'est arrivé un peu par après. Le premier épisode, c'était quasiment à 50% de la nordicité. Ouais, mais ça a pris du temps avant que ça revienne. Ouais, non, je le C'est vrai sais. que dans l'acte fondateur du podcast, il y avait ça, là. Ben écoute, OK, bagage, j'anime, je prends les leads. Alors, bienvenue à l'épisode 59 du podcast LFA par les frères Havard. Dans l'appel cette semaine, parce qu'on est toujours tous en zone rouge, nous avons bien sûr, moi je suis là, Renaud Havard, fidèle au poste, Thierry qui est là, salut Thierry, Julien qui est là, salut Julien. Et pour la première fois, on en a entendu parler à l'occasion de notre sœur, la quatrième personne qui compose la fratrie Havard. Eh bien, c'est notre sœur, Marie-Pierre, qui participe pour la première fois. C'est un plaisir de t'avoir pour parler d'un sujet qui nous est cher à tous, à Thierry particulièrement, mais c'est tout ce qui est question de textile et de mode. C'est un plaisir d'être là pour la première fois. Ben moi, c'est ça, il fallait absolument que Marie-Pierre soit là parce que ce qui est à l'origine, dans le fond, de cette podcast-là, c'est qu'on a eu vraiment un gros clash frère-sœur sur Facebook en dessous d'une publication de Marie-Pierre qui était à l'origine d'un dessin qu'elle avait fait à propos de expectation versus reality. Si tu peux montrer le dessin, ça va être plus clair. Puis Ouais. on s'est vraiment ostiné parce que Renaud disait que l'important c'était d'être confortable, tandis que moi je disais l'important c'est d'être à la mode. Il faut, pour essayer de comme ça, de projeter quelque chose de soi-même, il faut être à la mode. Comme moi par exemple, ma pièce, c'est important qu'elle soit là parce que c'est en quelque sorte ma styliste. C'est ça, là, ça serait pas possible sans l'aide de Marie-Pierre, qui est ma personal shopper. D'ailleurs, il faut qu'on retourne chez Old Navy à un moment donné, là. Pour l'instant, c'est pas vraiment possible, là, mais. Puis, c'est juste pour montrer un peu mon look aujourd'hui. J'ai un chapeau de chasse et pêche qui m'a coûté 5. Un chapeau Bob de chasse et pêche avec un motif de l'armée qui m'a coûté 50$. Ça, ici, c'est une chemise. Je sais pas si on peut bien voir dans la caméra, c'est des poissons. Une chemise de poisson. Ça, c'est une C'est moi qui chemise. t'ai donné ça ou c'est ou jamais? Ça me gère même. Ben, c'est la même, je vais acheter. Ça, c'est un vêtement qui est censé être unique. C'est censé être fait sur mesure par un designer de Portland en Oregon. Ça m'a coûté Ton 300$. chapeau. Ton chapeau Bob, Thierry, tu l'as-tu utilisé pour aller à la chasse cet automne? Tu sais que de ce temps-ci, c'est le temps de la chasse. T'as-tu tué ton buck cet automne? Tu sais que Toi qui moi. en rêvais, là. Ben, pour l'instant, tu sais, à la réserve de la véranderie, il y a des grosses. Des barricades en ce moment, donc c'est pas possible pour moi d'aller faire ma chasse. Puis tu sais que moi, je ne chasse qu'à l'arbalète. Puis mon arbalète est brisée en ce moment, ce qui fait en sorte que pour la faire réparer, ça me coûterait au moins 500 pièces. Fait que pour l'instant, je suis un peu entre deux chèques. Je peux pas vraiment faire réparer mon arbalète. Donc peut-être que la saison de la chasse, on va sauter un été, une année, je veux dire. Mais pour terminer mon look, j'ai aussi un pantalon. Comme ça, ici, c'est un pantalon. Comme Marie-Pierre, elle a dit, il faut tout le temps qu'il y ait une déchirure. C'est pour que ce soit plus cool, il faut qu'il y ait une déchirure. Ouais, mais t'as pas compris, la déchirure, faut qu'elle soit vis-à-vis les genoux ou Ouais, à l'arrière mais. les cuisses, t'as pas compris, là. Ben là, c'est hors de mon contrôle où la déchirure a lieu. Puis ça, c'est une ceinture qui appelle ça. C'est une ceinture hyper extensible. Donc, je peux devenir carrément. Je peux. Si j'ai un problème de glande thyroïde qui me fait engraisser, comme ça arrive à beaucoup de gens, là,
ou un gland thyroïde, ça peut aussi faire maigrir, fait que c'est extensible dans l'autre sens. Effectivement. Aussi. Donc, c'est une ceinture hyper extensible que je recommande à tout le monde qui ne savent pas quelle ceinture choisir de nos jours. Là. Puis, il y a des millions de trous là-dedans. Fait que, tu sais, je sais pas quel... Moi, j'ai un gros problème de ceinture, c'est qu'il n'y a jamais assez de trous. Oui, puis, tu sais, c'est quand même... N'oublions pas que nous sommes tous natifs de Saint-Hyacinthe, qui est quand même un berceau important là, du textile au Québec. Là, on avait la Penman's, l'usine de Corset, Tricot-Canada, qui était à côté de chez nous. Oui, ben c'est ça. Puis je sais pas, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Là, quand j'ai fait mes choix de cours pour m'inscrire au cégep en secondaire 5, tu as l'espèce de cahier dans lequel tu as toutes les techniques puis les cours à faire au cégep puis à l'école professionnelle puis ces affaires-là. Puis à l'époque, ben, il y avait encore des cours de textile au cégep de Saint-Hyacinthe qui se donnaient. Puis ils encourageaient bien gros le monde à aller là-dedans parce qu'ils disaient « on manque de monde, on manque de bras ». Ben, finalement, il n'y a plus de job, c'est tout parti, ça a tout fermé. Fait que... Quand j'ai fait mon cégep en 2009, mais Julien aussi d'ailleurs, il est en train de changer l'aile du textile pour juste devenir des salles de cours ordinaires. Mais ça avait encore cette espèce de feeling-là de grosse machine puis de patente. Pendant un temps aussi, il essayait d'attirer beaucoup de clientèle d'étudiants étrangers parce que dans les autres pays, c'est encore une industrie très importante. Là. Ici, c'est jamais fabriqué autant de vêtements. Fait que c'est sûr que... Bon, mais c'est pour ça qu'on va parler sûrement de ça éventuellement, c'est qu'il faut acheter ces vêtements usagés. C'est plus... au lieu de tout le temps changer et renouveler sa garde-robe à chaque printemps ou à chaque hiver, parce que les vêtements usagés, si tu achètes un vêtement usagé, ils n'ont pas besoin de le refabriquer. Ouais. Fait que sinon, comment vous vous habillez, vous autres? Je te dirais que ces temps-ci, c'est ce qu'il fait dans le garde-robe, là. Est-ce qu'on peut le dire dans le podcast? Est-ce que c'est trop indiscret? On peut le dire. Je suis serrée parce que je suis enceinte, là, donc... C'est sûr que c'est sûr dans, que ouais. ça... C'est sur Instagram. Si tu le mets sur Instagram, tu peux le dire dans un podcast. Mais ça, c'est une expérience, Marie-Pierre, que t'as quand même... Peu de gens ont vécu ça, d'avoir à magasiner pour ça. T'sais, c'est quoi les nouvelles technologies de textile, justement? Là? Ça prend des textiles extensibles, ça prend des choses comme ça. Je veux dire, t'as été en première ligne, là. Je veux dire, y a-tu un sujet, y a-tu quelque chose d'intéressant à discuter par rapport à ça? Ouais? La mode de la maternité? C'est... Non, mais on est-tu rendu à un autre niveau technologique où c'est à peu près la même affaire qu'il y a 20 ans? Ah non, je pense que c'est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Là. Toi, j'étais enceinte il y a 20 ans? Non, mais maman m'en parle. Puis à l'époque... Ben, il y a 20 ans, tu peux donner des raisins à un bébé de 2 mois, fait que ça a changé en maudit. Non, c'était les grandes robes lousses, que dans le fond, c'est comme une poche de patate, là, maintenant. Je veux dire, tu peux t'acheter un jeans... Comme Homer dans l'épisode... Une moumou. Ouais, les jeans extensibles. Ouais, c'est ça. Là. Au moins, mais... Le plus confortable reste toujours la grande robe poche de patate. Mais quand on parle de mode, ben c'est moins beau. C'est moins esthétique. Mais le confort, moi, je dois avouer que quand je vois quelqu'un qui se promène dans la rue, puis que ses vêtements, là, ça a pas de l'air confortable, ça paraît. Genre, je ressens de l'inconfort pour cette personne-là. J'ai bien de la misère à trouver ça beau. Mais est-ce que c'est juste... Est-ce que ça peut être à la mode, puis être confortable aussi. Ben le but, les deux peuvent aller ensemble. Le but d'un vêtement, c'est de provoquer de l'attirance sexuelle chez quelqu'un. Donc, si c'est inconfortable, c'est dans le but implicite de provoquer une certaine attirance. On est comme des oiseaux qui mettent leur plumage. Ils ne sont pas confortables, les oiseaux, quand ils font ça. Ils veulent juste se trouver quelqu'un, un oiseau avec lequel foyer. C'est quoi, t'as pu discuter avec un oiseau pour savoir qu'ils sont pas confortables dans leur plumage? Fait que toi, Thierry, tu penses qu'on est encore victime de notre génétique d'il y a 1 million d'années? Ben non, là, c'est même que les oiseaux vivaient. On peut pas se détacher de ça. On s'habille pour provoquer une tension sexuelle uniquement. C'est ce que tu me dis. Le monde n'y réfléchit pas, mais ça reste un début d'un vêtement. C'est si le vêtement est inconfortable, mais au moins il va te rendre sexy, ça fait du sens. Parce que moi, le vêtement le plus inconfortable qui me vient en tête, puis que je porte à peu près une fois l'an,
C'est la jaquette d'hôpital quand je vais faire mes colonoscopies. C'est le vêtement le plus inconfortable. Puis crée-moi, il n'y a pas grand tension sexuelle dans la salle. Non, mais là, on parle, là, c'est pas la vie de tous les jours. Là. Ça, c'est la vie, c'est ta vie de grand malade qui t'oblige. Ah ben là! Mais comment ça, t'es si inconfortable que ça? C'est pas si inconfortable que ça. Mais, non, mais c'est inconfortable parce que ça te monte les fesses, pas parce que, c'est. Mais oui, puis parce que c'est pas tout à fait assez slack. Ça... Le vêtement, ça provoque le secret. Fait que les gens, ils portent des espèces de grands foulards inconfortables, ils se mettent des chapeaux pointus comme ça, ils se mettent des trucs qui font des tourbillons comme ça, c'est pour essayer de faire un secret. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus dans les années, il n'y a plus vraiment une conformité, il y a tellement de façons différentes d'intéresser les autres par notre vêtement. Moi, j'ai traversé des époques de vêtements, j'ai été grunge, j'ai été gothique, j'ai été... punk, metal, j'ai été hip-hop. À l'époque, je portais beaucoup avec l'espèce de rhinocéros. Là. Vraiment, tu sais, tu traverses des époques là, de vêtements, mais tu sais, maintenant, j'ai peut-être comme trouvé vraiment mon style à moi. Puis ça risque de pas... Ça fait comment ton style, Thierry, là, jeans bleu, puis t-shirt gris de Lévi-Strauss, là? Comment ça s'appelait, ce style-là? Ça, t'as porté ça au moins 4 ans de temps, là. Avec grande rigueur, je dirais. Enfin, moi, j'aurais dit que ça s'appelait le courant cartoon. Je voulais être comme un personnage de cartoon qui porte le même linge dans chaque dessin animé. Tu sais, Homer Simpson, il change pas souvent de linge dans les émissions, sauf quand il va à l'église ou quand il y a des occasions spéciales. Quand il va à la centrale, il met une cravate. Ouais. Hey, c'est quoi la première pièce de vêtement que vous avez achetée? Dans votre vie. Moi, j'étais allé à un concert de Kiss. J'avais acheté un beau t-shirt de Kiss. Je l'ai encore. Premier vêtement? Je l'ai encore. Mais ce que j'ai acheté avec mon argent, c'est ça. Ça avait coûté 40$ en 96. 98. Moi, le premier vêtement que j'ai acheté, c'est ma cagoule Spitfire que j'avais acheté aux encans de la ferme à Saint-Hyacinthe avec Mathieu. Je l'ai encore. Moi, j'avais été faire un voyage à New York, puis dans un bazar, j'avais acheté un espèce de poncho africain. Puis, je l'ai jamais porté parce qu'il sentait, quelque chose de bizarre. Puis, il sent toujours bizarre. Je pense qu'il y a, Renaud, il y a une dose là-dedans. Tu sortiras les images d'Alabama Tom. Il l'a porté son poncho. C'est Marc-Pierre. Je pense que j'ai comme la mauvaise tendance d'acheter un peu trop de vêtements, fait que ça m'a pas du tout marqué, moi. Au garage, t'as pas acheté quelque chose à un moment donné? Non, j'achetais pas, j'allais pas chez garage, j'allais plus chez American Eagle. Ah, ben on avait pas ça à Saint-Hyacinthe, fait que c'était juste aux promenades. Non, mais j'allais magasiner aux promenades Saint-Bruno. Mais là, Saint-Hyacinthe, es-tu désormais en zone rouge aussi? Oui. Y a-t-il une place au Québec qui ne l'est pas encore? Maskagawish, là. Maskagawish, ok. Je sais pas, C'est ce qu'on dit. Moi, je dis ça parce que là où j'étais, on n'était pas en zone rouge. Là. Je reviens d'une retraite, moi, à Bay James encore. Là. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas préparé de chronique. Là. J'étais encore à ma retraite de détox avec des aliments, mais là, ce coup-ci, c'était des aliments mauves, là. Ce que je vous conseille pas, là, c'est mon changement. C'est toi qui as décidé ça? Quoi? C'est toi qui as décidé de faire ça? Ben oui, là, à chaque mois, je pars 2 semaines faire une retraite détox. Puis là, aubergine, réveil insecte, navets, ben, des navets. Ça, en fait, ben, c'est ça. Mettons, tu te dis des aubergines, des navets, ok, c'est correct, mais le cuisinier était tellement gelé qu'il disait la chair est pas mauve, on peut pas prendre la chair. C'est juste la peau. Le fond, il cuisinait de la pleure. Il cuisinait de la pleure d'aubergine dans le beurre. Mais... 2 semaines de temps, c'est long. Mais des patates qui sont mauves un peu dans le. Non, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est cuisiné. lui, il disait que c'était des patates bleues, puis ça comptait pas. En tout cas, moi, j'étais un peu en crise parce que d'habitude, on fait ça pour le fun. Là. On fait pas ça pour être straight to the point, juste du mauve. Là. Puis en tout cas, je suis en train de reconsidérer. Je pense pas que je vais aller à la prochaine séance. Passer mon tour, en tout cas. Mais on avait toujours en tête là,
Le monde qui porte un complet, là, c'est du monde respectable, c'est du monde qui ont réussi, c'est du monde qui en ont plein les poches, puis tout ça. Puis je me dis, ben ça en a pris sa claque depuis l'histoire de Vincent Norbeau, tu sais. Fait que je me dis, c'est pas mauvais. Là. Il me semble que l'omniprésence du complet cravate là, est moins là. Puis moi, je suis fier de dire que je suis quand même travaille pour une grande entreprise. Puis les fois que j'ai dû mettre un complet cravate, ce compte, c'est les doigts d'une main. Mais même où est-ce que tu travailles, il y a du monde qui ont des tatous dans la face. Fait que ça a vraiment changé du tout au tout. Si tu veux aller au restaurant du casino, il faut que tu t'habilles propre. C'est une règle. C'est cave, ça n'a pas rapport. Mais moi, je trouve c'est pour ça que je ne vais pas au restaurant du casino. Faut que tu t'habilles en ville. Tu peux pas aller au restaurant du casino sans t'habiller en ville. Mais c'est correct, tu ne vas pas y aller, toi, ça ne t'intéresse pas. Mais ceux que ça intéresse, ils vont s'habiller en ville, ils iront pas là en Bermuda puis en camisole. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Mais parce que peut-être qu'ils aiment ça aussi, là. Toi, tu n'aimes peut-être pas ça de mettre en complet, mais... Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, ça vient chier. Ben oui, c'est bien parfait. Oui, mais c'est bien parfait. Pourquoi imposer un code vestimentaire à tout le monde? Ben ça casse l'ambiance. Si tu vas dans un bal, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui est habillé en maillot de bain ou en pyjama. C'est ça. Mais imagine-toi la même affaire. Partez piscine, tout le monde est en maillot de bain, tout le monde est en train de boire sa petite bière. Puis là, il arrive le gars en complet cravate. Il casse le party. Ouais. C'est la même affaire. Je t'avais fait la baboune tout le temps quand t'allais faire du canot puis se baigner à la plage du Mont Orford pendant que toi, t'avais tes souliers propres, tes grands pantalons puis ta chemise. Ben, on a eu du fun pareil parce que ça avait pas d'importance comment tu t'habillais. Ben, j'avais de l'aide d'un cave puis j'ai cassé le party. Ben non. T'as cassé ton party, Thierry. Ben. Toi, t'avais pas de fun parce que t'étais pas en costume de bain. C'est ça que Renaud essaie de te dire. Tu le savais pas, j'en parlais surtout à Marie-Pierre, mais il y a 5 ans, il y avait un giga projet dans le nord du Québec. Il voulait créer un centre aquatique là, aussi gros que Walt Disney. Puis il y avait Dubaï, des studios partout. C'est comme faire Dubaï dans le nord. S'il y avait de la grosse argent dans le nord, il pourrait faire Dubaï à Bay James ou quelque chose de même. C'était ça le projet. Il y avait un gros investisseur qui voulait créer un parc aquatique le plus gros... en Amérique du Nord, puis évidemment, ben, tu sais, ils voulaient aussi que ce soit les glissades d'eau les plus extrêmes dans le possible du légal, puis ça prenait des testeurs de glissades d'eau. Fait que moi, ben, des fois, là, je passais des semaines là, où est-ce qu'on testait des glissades d'eau à tous les jours. Tu sais, Marie-Pierre a arrêté sa job de rêve. Oui, hein? C'est ça. Ouais. Julien, il disait ça juste pour me rendre jalouse. C'est la force G, le problème. C'est la force G qui est le problème. T'as sûrement assez endurer de forger pour devenir astronaute demain matin, comme tu voudrais, tu sais. Non? Ouais, ben, regarde, moi, vas-tu, c'est à cause de cette expérience. J'ai fait ça 2 ans de temps, là, puis j'ai le dos tout pété, moi. Je suis plus capable de rien faire, là. Fait que... T'iras pas à Saint-Jean-de-Mata cet hiver pour la classique trip, descente en trip de la Saint-Jean-de-Mata? Faudrait que tu me payes cher, moi, de dire. Bon, je te payerai pas pour ça. Ça coûte déjà assez cher rentrer là-dedans, là. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Épisode 59, textile et mode, une discussion entre frères et sœurs. On voit pas ça souvent sur l'Internet des podcasts. Julien, en zone rouge, merci d'avoir été là. Merci. Thierry, toujours en zone rouge, merci d'avoir été là. Marc-Pierre, zone rouge. Fait que faites attention à vous. Soyez prudents, il n'y a pas grand-chose à faire. Écoutez des podcasts, lavez-vous les mains. L'hiver va être long. Merci à tout le monde.